l'inspecteur général a bien téléphoné. Voilà le JN-760 de monsieur Jean Noël va prendre sa piste. Alors là, attention, mesdames et messieurs, ça c'est un avion. Amateur. Et oui, c'est le seul warbird de construction amateur. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, il y a aussi un spit en bois à Reims, à l'échelle 1. Mais lui que tout. Il est pas beau, franchement. Alors la puissance a un prix, ça consomme quand même 200 litres à l'heure. Il a fait un petit pointage de ses heures de travail. Il y a passé la bagatelle de 25 000 heures de travail. 25 000 heures de travail. Oui, ça monte au ciel comme un aurait pu posséder pour attaquer l'Angleterre. Or donc, quand les Allemands ont attaqué l'Angleterre, eh ben, ils avaient déjà un certain nombre d'avions en moins, et ces avions en moins, ces 800 avions en moins qui avaient été abattus par la chasse française, ils ont creusé très loin dans la vallon. Alors, au cours de cette bataille de France, il y a eu également les Anglais qui nous ont aidés, bien sûr, et l'ensemble Angleterre plus France a fait que 1300 avions allemands ont été abattus dans cette période-là. Le Jean Noël fait tout à fait illusion par rapport au warbird que vous avez vu précédemment.